Salut, c'est Manu Lanvin and the Devil Blues et je suis venu vous présenter mon nouvel album Blues, Booze and Rock and Roll. Hot Mix Radio, les instants privilégiés, aujourd'hui en compagnie de Manu Lanvin qui a sorti son 6e album. Merci d'être là. Mais c'est un plaisir. Un album blues, rock. Alors quand l'album démarre, on se demande si on va écouter les Doors, Riders on a Storm, et finalement pas trop. Comment on peut le qualifier? Il y a une chanson You Are There avec Are You There, pardon, que guitare, etc. C'est avant tout quoi? Blues, rock. Je crois que le titre de cet album annonce bien la couleur. Ah quoi. Oui, j'ai pas donné le nom de l'album. Blues, Booze and Rock and Roll. Donc il y a du blues. Donc bien évidemment dans le blues on entend tout le côté de la musique blues authentique, la musique du Delta, donc le truc très, disons les arrangements très dépouillés, très acoustiques, très simples. Donc il y a ça dans Are You There, et des choses un peu plus costauds qui tirent vers le rock, et peut-être plus précisément dans ce nouvel album, car je trouve que disons que l'humeur aujourd'hui et les événements qui sont passés dans notre ville à Paris, je pense aux événements du Bataclan et plein d'autres choses comme ça, m'ont donné envie de me donner certaines clés et d'avoir des choses à dire. Je me suis plus intéressé aux autres qu'au côté introspectif du blues. Le blues, vous savez, on parle de notre douleur au quotidien, notre peine de cœur. C'est toujours des histoires très personnelles qui parlent de celles des autres, bien évidemment. Mais je trouvais intéressant, pour une fois, de parler des autres et de parler surtout de ma ville et de l'environnement qui m'entoure, le monde. Alors, on va écouter un extrait. On parlait tout à l'heure, on ne sait pas si c'est single, si c'est pas single. Ok, du titre qui est mis en avant actuellement. Il s'appelle... On vient d'en parler, blues, booze and rock'n'roll. Donc là, on sent vraiment le rock'n'roll. On va l'écouter tout à l'heure, parce qu'on a enregistré deux titres en acoustique, guitare-voix. Donc on aura cette version pour terminer ces instants privilégiés. Mais avant, on l'écoutera en version acoustique. Ça fait quoi d'interpréter des chansons qui sont faites pour être jouées à plusieurs et très rock, de se retrouver tout seul avec sa guitare? Les chansons ont pris leur naissance, elles sont nées comme ça, bien évidemment. Moi, je suis beaucoup inspiré à chaque fois lors de mes voyages. Je passe beaucoup de temps au Maroc, c'est près de la France. Ça permet vraiment de tout de suite être dans un autre environnement que chez moi et dans mon studio. Et j'ai toujours comme compagnon une guitare acoustique, pas très loin. Donc les chansons, à chaque fois, elles naissent acoustiques. Après, j'ai un trio aujourd'hui qui commence à avoir une vraie existence sur la scène. On fait plus de 120, 130 dates de concerts par an, en France, en Europe, jusqu'aux États-Unis. Et donc, on n'a pas envie de décevoir les gens qui nous suivent et nous accompagnent depuis le début. Donc après, c'est le défi Blues, c'est mon trio enragé qui s'occupe de faire les arrangements. Manu Lanvin and the Devil Blues. Bon, ça fait référence à cette jolie chanson de Robert Johnson qui est Me and the Devil Blues. J'ai toujours aimé l'idée de cette dualité qu'on a tous à l'intérieur. Je pense que le diable, il est bien évidemment inscrit dans chacun de nous. Après, c'est notre manière à chacun de l'appréhender, de le dompter, d'en faire un pote ou un ennemi. Présent sur les épaules du caban, sur la pochette, le diable. Et qui est vraiment, en plus, surtout tatoué dans mon dos pour de vrai. Pour de vrai. Ah oui, c'est là on voit. Alors pour ceux qui regardent l'émission en vidéo, vous verrez que les bras sont tatoués, mais du coup, il y a le diable dans le dos. Je ne fais pas encore la promo torse nu. Merde. Et vous avez l'album pour vous réconcilier avec moi. Voilà, c'est ça. Donc, je vais montrer l'album. Voilà, le diable est là. on va écouter la version acoustique du titre, donc Blues, Booze and Rock'n'Roll. Pourquoi avoir choisi ce titre justement pour le nom de l'album? Parce que ça représentait bien le concept ou... C'est un accident, mais cette chanson est un vrai hymne à la vie où je... Voilà, je trouve que la musique a été attaquée. Moi, le Bataclan, c'est une salle dans laquelle j'ai beaucoup joué. J'ai eu la chance d'accompagner d'autres artistes. Moi, c'était ma salle de jeu aussi. Moi, j'ai vu plein de groupes incroyables, FFF à l'époque, mon premier concert de Paul Person, c'était au Bataclan. J'ai accompagné Michel Delpech sur un de ses derniers albums. Je connaissais bien cette salle et le fait qu'on attaque une jeunesse pas très méchante en soi. Elle fait qu'écouter du rock and roll, boire une bière le soir après une dure journée de travail, car être jeune dans cette ville, c'est pas simple. Il faut se loger, il faut trouver un taf, il faut, quand on est étudiant, c'est compliqué quoi. Et le seul moment de détente qu'ils ont, le seul horizon pour un peu de temps en temps voyager, c'est la musique. Et moi, je pense que les gens qui font la musique, ce ne sont pas des diables, justement. Je m'amuse avec cette idée-là. Donc quand je vois que c'est attaqué, j'ai l'impression qu'il y a un retour aux années 50, lorsqu'on interdisait finalement à Ray Charles de jouer la musique qu'il jouait, ou à Chuck Berry de se présenter dans certains états. J'ai comme ça un retour en arrière et je me faisais fort de crier très fort cette hymne en disant non, le blues et le rock'n'roll, c'est quelque chose de plutôt très positif. C'est plutôt une histoire très positive qu'on partage ensemble. Très bien, bon, on va l'écouter en version acoustique. On terminera cette émission avec la version de l'album. Donc Manu Lanvin avec sa guitare. Blues, booze et rock'n'roll, c'est dans les instants privilégiés d'Hot Mix Radio. You
preach life to kids in school. You spread your poison and your wicked rules. You got my brain in a bad position. The chains of fear are your tradition. We want blues and booze and rock and roll. We gonna live our life. We are the control. We want blues and booze and rock and roll. We got to feel the fire, our burning soul. Manu Lanvin, un acoustique avec sa guitare, donc la version comme quand elle a été écrite finalement. C'est ça. dans les instants privilégiés d'Hot Mix Radio. On parlait tout à l'heure des événements, de la vie, de la musique, de ce qu'on veut à la jeunesse. Quand on fait un album, c'est justement de s'imprégner de toute sa vie. Ou on parlait tout à l'heure de pas trop être dans l'introspection, mais de s'ouvrir aux autres. Les sujets étaient évidents pour cet album-là? Ah oui, ça l'est toujours. De toute façon, l'envie, on ne se force pas à faire un album. Aujourd'hui, moi, je ne me force de rien. Donc, lorsque un album commence à prendre forme, c'est qu'il y a une envie de dire des choses. Ouais. Et comme je le disais, dans mes premiers albums, effectivement, j'étais plutôt dans une sorte, forme de complainte introspective qui est vraiment propre au blues. Mais attention, hein, quand on parle de nous, c'est pour mieux parler des autres. Victor Hugo disait dans la préface des Contemplations, « Idiot est celui qui ne comprend pas que lorsque je dis je, je parle des autres. » Alors, c'est intéressant parce qu'on a des sujets communs. Je veux dire, une douleur amoureuse, une douleur sentimentale, ne plus avoir l'argent, avoir des factures qui s'entassent sur le bureau, c'est des choses que tout le monde connaît. Donc on peut dire, ce qui nous est arrivé parlera bien évidemment aux autres. Mais là, dans cet album-là, disons que oui, c'est vraiment, j'avais un regard sur un monde que je... vous savez, on a vécu pendant très longtemps, je commence à être un vieux daron maintenant, mine de rien, 43 ans, mais quand on était jeune, dans l'espoir, on nous parlait de technologie, d'avancée, d'avenir, on pensait qu'on allait vers quelque chose de mieux. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est triste à dire, hein, j'ai pas envie de miner tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de pas mieux, justement. Et donc, il faut peut-être se rappeler le pourquoi et trouver une vraie raison à notre existence, en dehors des religions, puisque moi, je suis pas du tout de cette histoire-là. Je pense que tout ça est une belle mascarade. Je respecte, bien évidemment, la spiritualité de chacun, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de la vie. Et se retrouver autour de la musique. Exactement. Finalement. En concert, 14 avril... Il y aura le festival Band Blues à Bain-de-Bretagne. Ouais. Il y a plein de dates. Hein. 21 avril, Villeneuve-la-Garenne. Après, il y a Bourges, il y a Matignicourt, Périgny,
Marne-la-Vallée, il y en a plein. Quand on écrit un album, quand on fait de la musique comme celle-là avec un groupe, j'imagine que le live prend une place extrêmement importante dans le process. Bah, c'est notre pain quotidien. C'est notre croix, notre pain quotidien, notre maîtresse. Moi, j'ai toujours fait de la musique et je pense que beaucoup de musiciens me rejoindront là-dessus sur ce point-là. On fait de la musique pour pouvoir faire du live déjà. Je veux dire, s'arrêter dans un studio, faire une photo finalement des chansons, ouais. Ça c'est l'industrie du disque qui a amené ça, mais à la base, notre travail à nous, c'est un travail de troubadour, hein. On est là pour aller de ville en ville, pour essayer d'éclater les gens avec nos instruments de musique, avec nos potes. Et moi j'ai la chance d'avoir des mecs avec qui je suis très soudé, c'est un trio, donc ça prend pas beaucoup de place. C'est facile de dire de filer rencard à tout le monde dans la ville, dans une prochaine ville. Et c'est une belle aventure. Moi, j'ai fait de la musique pour le voyage, bien évidemment. Et aujourd'hui, ça a été long, hein, avant de pouvoir arriver à cette cadence-là de concert. Et aujourd'hui, je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire être sur la route pratiquement tous les jours. C'est quoi l'ambiance de la troupe sur la route, justement, avec Manu Lanvin ? Oh, ça va. C'est très calme ou c'est... Il y a le diable à bord. C'est pour ça. Ouais. Faut le canaliser un peu. J'ai un batteur qui est quelqu'un qui remet tout de suite tout le monde à l'ordre, qui ne boit pas et qui ne fume pas, qui est très comme ça, très cartésien. C'est Sam. Quoi. Et en fait, c'est intéressant d'avoir ce genre de personnage aussi dans une équipe parce que ça permet de contrebalancer les excès des uns et des autres. Maintenant, on fait attention parce que moi, je veux surtout pas altérer, abîmer le show. Il faut donner la même énergie aux gens. Vous savez, le trio, on est en équilibre sur un fil. Il faut vraiment donner beaucoup, beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne. Et donc il faut vraiment être en forme, donc on peut pas non plus être trop dans l'excès, donc on est plutôt maintenant devenu, on s'est un peu assagi avec le temps, enfin moi je me suis assagi avec le temps, parce que je sais que le lendemain faire un concert si on a peu dormi et tout c'est compliqué, un peu hardcore, ouais. Et ce qui est intéressant c'est de vivre les choses et rentrer sur scène et ne pas être conscient de tout ce qui se passe, on passe à côté de quelque chose et bien évidemment. Bien sûr. On va pas aller en concert, on va choisir un extrait de l'album qu'on va écouter en version originale, qu'est-ce que tu souhaiterais nous présenter là? Sur l'album? Ouais, sur l'album. Sachant qu'on écoutera tout à l'heure Under the Waves que tu as interprété en acoustique. On terminera l'émission avec Blues, Booze and Rock'n'Roll, la version originale. Donc il reste encore 10 titres. Soul Revolution. Soul Revolution. Très bien. Quelques mots sur ce titre? Ah ben voilà, on est dans ce qu'on a un peu développé ensemble, Soul Revolution. Je pense que peut-être que le chemin, hein, c'est une clé que je donne. Hein, faut vraiment faire une introspection sur son âme et privilégier, comment dire. Privilégier ce qu'il y a de meilleur en nous. Je pense que l'homme est bon, l'humain est bon, malgré ce qu'on voit aujourd'hui dans les actualités et ainsi de suite. Et il faut explorer ça et utiliser ça au maximum. Parce que je pense que nous sommes, malgré tout, quelque origine dont nous soyons issus et tout ça, je pense que nous sommes tous liés sur cette terre. Et il faut pas oublier ça. Et le positif amène le positif. Cette chanson parle de tous ces principes de base qui sont des choses. On peut dire que c'est des poncifs, mais je pense qu'on les a oubliés aujourd'hui. Voilà, j'essaye de ramener les gens vers ça. Humblement, toute humilité. Partons à la découverte de Soul Revolution. C'est le troisième titre sur l'album de Manu Lanvin, Blues, Booze and Rock'n'Roll. On l'écoute maintenant dans les instants privilégiés d'Hotmix Radio. Manu Lanvin, c'est un extrait de son sixième album. L'album s'appelle Blues, Booze and Rock'n'Roll. Le titre que nous venons d'écouter, Soul Revolution. Soul Revolution. Soul Revolution. Oui, j'ai un sale accent anglais, je suis désolé. J'adore. Je suis très franc. Je le fais à la française à fond. Merci beaucoup de venir nous voir pour nous présenter cet album. Tu disais tout à l'heure 43 ans, plus très jeune, etc. Et des rencontres, quand on regarde la bio, c'est impressionnant. Entre, je vais prendre deux noms, mais Quincy Jones ou Calvin Russell, des expériences qui, j'imagine, sont à l'époque quand ça se présente hallucinante. Déjà Calvin Russell, la collaboration sur son album, elle a totalement réorienté mon parcours musical à un moment où j'étais, j'avoue franchement, un peu perdu, parce que les maisons disques ne comprenaient pas trop où je voulais en venir avec cette envie de faire du blues, du rock, fortement influencé de la musique anglo-saxonne. C'est vrai, dans l'énoncé, c'est pas clair. Mm-hmm. Je veux dire, un mec, j'ai pas vécu dans les champs de coton, je suis pas né à Memphis, je suis pas un enfant de Beale Street. Et malgré tout, j'avais envie de faire cette musique-là, donc lui m'a permis de me décomplexer, en fait. Il m'a décomplexé, il m'a dit « Non, mais tu as les codes, tu les connais, on va travailler ensemble. »
Et il m'a remis en selle. Et je lui dois tout. Je veux dire, le Devil Blues, c'est la continuité de l'album que j'ai fait pour lui, Dog Eat Dog. C'est bien évidemment celle-ci. Après, il y a les rencontres sur le Montreux Jazz Festival. Claude Nobs, déjà le fondateur du Montreux, déjà nous avoir invités à une période où encore le Devil Blues en France, on n'en voulait pas trop dans les festivals de blues et de rock'n'roll. Lui, il m'a tendu la main, quoi. Il a dit non, mais moi, je te programme dans mon festival. Et ça a tout changé. Parce que dès lors, j'ai rencontré Quincy Jones, qui nous a ramené un peu à New York. Oui, et d'un seul coup, comme par hasard, les Français d'un seul coup, j'entends les programmateurs de blues et tout, et d'un seul coup ils ont commencé à écouter en tout cas notre musique d'une autre oreille. Tant mieux, ça nous a apporté beaucoup de chance ces rencontres. Il y a d'autres rencontres comme celle-là qui ont une vraie importance, peut-être avec des gens moins reconnus ou connus, je sais pas. Celles-ci le sont incontestablement. Maintenant, j'ai des gens qui sont comme des parrains pour moi. Parce qu'il y a plein de remerciements, par exemple, à la fin de l'album. Ouais, mais ça, c'est des remerciements, oui, du moment, tout classique. Moi, je me rappelle d'un monsieur que j'aimais beaucoup aller voir, donc qui n'est pas quelqu'un, une personnalité connue, mais qui était un collectionneur de vinyle. Et j'en parle parce que dans la station où on est, il y a une platine vinyle. Ça revient, et tant mieux, hein, qu'il y ait le culte du disque et que ce qui revienne. Et moi, je trouve que le culte de l'objet. Parce que les gens, dans la dématérialisation, ils sont perdus. Ils ne peuvent plus toucher la pochette, ils ne peuvent plus toucher le vinyle. Ça revient énormément. Et lui, c'était un des plus gros collectionneurs de vinyle, ce mec, Michel Poquet, à Rouen. Et je passais, moi, des week-ends entiers. En fait, à aller là, c'était des trésors pour moi. Me mettais sur le canapé du salon et il me sortait des références de blues, de soul, des productions françaises de plein d'artistes d'ailleurs de l'époque, des années 70, qui mimaient pas. Il y avait des vrais trucs puissants, je trouve, dans le rock français, dans même le blues français ou dans la soul à la manière de français. Et je passais des journées entières à écouter ça. Et pour moi, ça a été une énorme base de données, en fait. Ça m'a énormément nourri. Il n'est plus là, Michel Poquet. Il y a un très bel endroit qui existe maintenant en hommage à ce mec-là, à Saint-Saëns, donc toujours en Normandie. C'est devenu une salle de concert. Et moi, je me fais fort à chaque fois de faire au moins un concert là-bas pour aider ce bel endroit que partagent plusieurs artistes. Ah voilà, belle expérience. On ne va pas écouter des vinyles là, mais je vais te faire écouter quatre extraits d'autres artistes dématérialisés pour le coup. Et tu vas me dire lequel tu souhaiterais écouter. Ok. Première possibilité, c'est Bob Dylan. Hey, Mr. Tambourine Man. Si on ne choisit pas Dylan, on a Chuck Berry. Sinon, on a Jimi Hendrix. Et on terminera avec Trust. Antisociable, perds ton sang-froid. Alors, il y en a qu'on élimine direct, c'est Trust. Allez, j'ai pas revoir. Eu le temps d'entendre Bernie mon voisin. Je vous expliquerai pas pourquoi d'ailleurs. Non, on va pas savoir. Antenne. Donc, il reste Bob Dylan, Chuck Berry ou Jimmy Hendrix. Là, c'est très très difficile de me positionner, mais voilà, Chuck Berry n'est plus. Ça vaut peut-être coup de faire un petit hommage quand même à Chuck, qui fait partie effectivement de ces grands messieurs qui nous ont donné envie, nos guitaristes. Moi, je me rappelle essayer de repiquer ses plans pour essayer de comprendre comment fonctionnait ma guitare. Bon, là, attention, il y a du lourd derrière, parce qu'il y a Jimi Hendrix et il y a mon morceau préféré, juste Voodoo Child, qui est pour moi la référence parfaite. Mais Chuck, c'était un mec qui avait plein d'histoires à raconter. C'est l'histoire du blues et du rock'n'roll. C'est surtout l'histoire du rock'n'roll. Chuck Berry, il fait partie d'un label qui était Chess Records. Je me rappelle qu'il avait, lorsqu'il a vu Elvis Presley, il y a un film qui retrace bien ça, alors Cadillac Records. Il voit Elvis Presley, il dit, ah, c'est bon, on est sauvés. Il y a un mec qui va tous nous porter vers le haut. C'est-à-dire que cette musique va continuer à exister grâce à Elvis. Chuck Berry, c'était aussi, il y a plein d'anecdotes incroyables. Il paraît qu'il mettait ses... Il arrivait sur les concerts et puis quand la salle était bondée et qu'il estimait qu'il n'avait pas été assez bien payé, il mettait ses chaussures apparaître devant le rideau de scène et disait voilà, les mecs étaient en hystérie, ils disaient ben voilà, maintenant tu doubles, autrement je me casse. Et le mec, il payait, le promoteur, il payait quoi. Et d'ailleurs, tiens, on parle de Chuck Berry, moi je travaille avec un mec qui s'appelle Neil Black, un Texan super qui maintenant vit en France et a joué, c'était le backing band, plein de fois était le backing band de Chuck Berry. Chuck Berry se faisait payer bien évidemment en espèces avant début du concert, ça y est, pas de chèque, ainsi de suite. Et donc, quand ils jouaient, eux, comme ils jouaient derrière, ils le voyaient toujours avec la poche de gauche, mais plein de billets. Et donc, c'était le mot. Ils essayaient de deviner combien ils pouvaient avoir dans la poche, combien ils avaient pu gagner, la recette était de combien. Il faut savoir qu'il y a une anecdote que j'hallucine sur Chuck Berry, c'est que il demandait toujours une somme, bien évidemment, assez importante. Il disait voilà, si le backing band, c'est-à-dire le groupe qui m'accueille, parce que tout le monde connaissait les morceaux de Chuck Berry. Il n'avait pas besoin de venir avec un groupe. Donc, il demandait à chaque fois au promoteur, trouve-moi le groupe local qui veut bien faire mon groupe, quoi, mon orchestre. Tout le monde connaissait les standards bien de sûr, Chuck Berry. Et il disait, si le son est bon et si le backing band est bon, je rendrai, je sais pas, 10% de la session de spectacle. Bon, il faut savoir que 95% du temps, ça n'arrivait jamais. Mais les mecs, ça leur donnait espoir. Donc, ils faisaient tout pour mettre un bon sound system et pour trouver le meilleur backing band du coin.
Pas mal. On va l'écouter en studio pour le coup. Version originale de Johnny B. Goode, donc choisi par Manu Lanvin, Chuck Berry. Ouais. C'est maintenant et c'est dans les instants privilégiés de Mix Radio. Chuck Berry, Johnny B. Goode, choisi par Manu Lanvin qui est avec nous pour nous présenter son album Blues, Booze and Rock'n'Roll, 12 titres. Est-ce qu'on a son titre préféré quand on sort un album, quoi qu'il en soit ? Absolument, ben non. Non, c'est on ne peut pas. C'est impossible. C'est non. Ce qu'il y a de plus dur pour nous, ça devient une bataille avec la maison de disques. Maintenant, on raconte une histoire, on a essayé de penser à chaque fois une association de morceaux, à les combiner dans une sorte de track listing. Il y a une histoire dans un album. Vous voulez l'écouter dans l'ordre, Diaz, justement ? En soi ? Bah, j'estime que oui. Enfin, oui. Moi, je fais encore des albums à l'ancienne. C'est-à-dire quand je fais mon tracklist, je pense que la musique va être écoutée soit à partir d'un CD ou d'un vinyle. Mm-hmm. On fabrique des vinyles. Donc oui, il y a une histoire. Maintenant, bon, si on veut directement écouter le morceau qu'on aime, pourquoi pas. Mais moi, dans chacun de mes albums, il y a l'ordre je me prends la tête. Hein, ça dure une ou deux semaines. Hein. Je cherche le bon enchaînement. À l'époque, je crois même que c'était des DJ. En radio, à qui on demandait, comme conseil, le DJ, le vrai DJ à l'époque, il faisait presque office de directeur artistique, souvent pour les maisons de disques, à qui on demandait de faire le track listing de l'album. Donc respectez l'ordre, 12 titres qui vont de Six Blind White Horses à Under the Waves. Under the Waves qu'on va écouter dans quelques instants en version acoustique. Moi, c'est ma préférée sur l'album. Je saurais pas dire pourquoi. En tout cas, là, j'ai une autre version. Écoutez sur l'album, parce que ce qu'on va écouter en acoustique n'a absolument rien à voir avec la version de l'album. On parlait de concert tout à l'heure, du fait d'être calme, assagi, d'avoir le batteur qui calme tout le monde. Il y a des endroits avec des grands souvenirs sur les lives. On a parlé de Montreux tout à l'heure, entre autres. L'Apollo Theater à New York. Ouais. Quand on m'a annoncé, habituellement quand on joue pour la Jazz Foundation of America, qui est la fondation de Quincy Jones, c'est une fondation qui chaque année organise deux événements. Des événements qui servent justement à récolter des fonds pour tous les anciens bluesman ou jazzeux qui ont signé des contrats pas terribles à l'époque pour leurs droits d'auteur et qui vivent, certains vivent vraiment finissent leurs jours dans des conditions difficiles. Donc cette fondation-là réunit souvent des grosses personnalités de la musique, des musiciens énormes, enfin je veux dire, très, très réputé. Mmh. Et nous, généralement, on joue pour l'after party, donc on n'est jamais sur la grosse scène, mais ça nous convient déjà très bien. C'est top de pouvoir jouer avec des gens d'ailleurs très locaux, comme Sue Georgia Brown, une chanteuse que j'accompagne régulièrement aussi là-bas et que j'ai fait venir en France quelques fois. Et au dernier moment, il voulait me garder comme une surprise. Il me dit, écoute, Manu, on te fait monter ce soir sur la scène de l'Apollo Theater. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez sur la scène de l'Apollo Theater, quand même, où on jouait juste C'est énorme. Les plus grandes stars, moi, qui m'ont fait rêver depuis que je suis môme, que ce soit Michael Jackson, James Brown, enfin tout le monde, quoi. C'est toutes les grandes stars qui sont passées dans ce club à Harlem. Et je réalise pas au début. Et je me retrouve avec Steve Jordan derrière à la batterie, qui est le batteur de Keith Richards, mm-hmm. batteur de Chuck. C'est des grands musiciens, quoi. Qui j'avais au piano, si je vous dis qui j'avais, vous allez halluciner. Herbie Hancock au piano. Et d'un seul coup, je dis, mais c'est une blague, là, ce qui se passe. Wendy Oxenhorn, qui est la présidente de Jazz Foundation, mais qui est une harmoniciste exceptionnelle. Après, je me rends compte qu'avec des tueurs à gages de musiciens, et Steve Jordan, qui me regarde, il me dit, vas-y, c'était un Rock Me Baby que je devais faire. Sur la scène de l'Apollo Theater, devant tout un public de gens à qui on peut pas la faire, parce que cette musique, ils la connaissent vraiment par cœur. Bien sûr. Et ça l'a fait, c'était super. J'étais en duo avec Wendy d'ailleurs. Et ça s'est gravé à tout jamais, quoi. On va passer de l'Apollo Theater au studio de notre Mix Radio. C'est beaucoup plus intimiste. on va écouter donc la version acoustique que nous avons enregistrée tout à l'heure de Under the Waves, qui est le titre qui termine l'album. Quelques mots sur ce titre avant de l'écouter en acoustique. Under the Waves, bon, on parle effectivement du tumulte de la vie actuelle et de notre société qui part un peu en vrille, avec toujours cette pointe d'espoir. Il y a toujours de l'espoir. J'essaie toujours de les glisser quand même une clé pour que les gens y voient bien évidemment une possibilité, une lumière, un horizon heureux, on va dire, dans tout ça. Bah, suivons la lumière. Donc, en acoustique, guitare, voix, Manu Lanvin, extrait de son album Blues, Booze and Rock'n'Roll. C'est Under the Waves dans les instants privilégiés d'Hot Mix Radio. One another world, one strange fruit, said Alice to the Queen of Hearts. Killing your brow in the name of God, gambling on the future, enemies nod. My teeth is crying, tanks full of blood.
your hands praying we'll never load. We've paid a price, it's all a fraud. But of the Lord, we lost control. Here we are now, drifting apart, lost under the waves. Lost under the waves. Who needs a cause, all the gold? I need a break, put me on hold. Give me a dime, not an appeal. Not an appeal to get a thrill. Cause we all now drifting apart. Lost under the waves. Lost. Your fears to maybe have a chance to dry your tears. So long at so long distance. I dream on and on. Life is a one shot, and we are one. But have we lost heart and soul? Merci beaucoup pour cette version acoustique d'Under the Waves enregistrée tout à l'heure. Deux titres, on a eu tout à l'heure Blues, Booze and Rock'n'Roll. On va écouter dans quelques minutes la version originale de Blues, Booze and Rock'n'Roll pour terminer ces instants privilégiés. Merci d'être venu nous présenter cet album, donc Blues, Booze and Rock'n'Roll. Plein de dates. Je vais pas tout citer, mais il y en a à l'appel. Sur le site, on trouve tout. Voilà, on trouve tout sur le site. L'album, si vous le voulez, il existe en vinyle, donc si j'ai bien compris tout à l'heure. Ouais, tous les albums sont édités. Mais de plus, éditeurs, ce qui est génial, c'est que pour magnifique. Tous les artistes, de plus en plus, on bah oui, c'est clair, vinyle. Ouais. Et je trouve que c'est une très bonne initiative des maisons de disques. Et si vous écoutez l'album sur Internet, essayez de l'écouter dans l'ordre. Enlevez la touche shuffle. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Bonne tournée. Et puis, on va se quitter donc avec Blues, Booze and Rock'n'Roll, la version originale de l'album. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt. Au revoir.